dans ce grand alternatif avec la griffe. Donc là, le bloqueur fixé sur la griffe, ce qui permet donc de grimper. L'alternative pour mon rappel. C'est bon, j'ai pas pris ma longe. Ok, c'est bon. Alors, je vais bien prêter ta longe 2 secondes, Raph, s'il te plaît. Donc le bloqueur est riveté. Le bloqueur est fixé sur la griffe avec un filetage. Donc la vis ne sort pas du bloqueur, qui ne risque pas d'endommager la corde. Et la corde vient coulisser sur le côté de la griffe, ici, et non là. Voilà. Donc au début, quand il n'y a pas trop de poids, le bloqueur a un peu du mal à coulisser. Mais dès qu'il y a un peu de poids sur la corde, ça fonctionne comme un pantin. Donc mon bloqueur, en dessous du prusik, je passe ma main dans la dragonne et je monte l'alternative pour mon rappel. Et si je veux me réinstaller sur le fût, ensuite, ce qui est pratique aussi, c'est d'être le long du tronc. Je prends appui sur le tronc, et là, ils mettent les pieds d'abord en haut ou en bas? Ils mettent d'abord en bas, non? Ils mettent en bas d'abord. Continue. Donc la pédale à gauche, le cœur à droite. Voilà, c'est un système que j'ai fait il y a 10 ans. Donc, ce serait peut-être temps maintenant que tout le monde soit un peu au courant de la petite astuce.